La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivent sur Internet, qui suivent ce culte, et puis ceux qui sont aussi dans la salle en bas. Je vous invite à commencer notre culte par la lecture d'un psaume. Et nous lirons ce matin au psaume 119, les versets 25 à 40. Hayru das inerort sarmose, que san ingerort hamaren, minchef, karasun erort hamarner biligartank. Imantes horing pakchi, gentanatsulzis kuchoskit hamemat. Im jampaneres batmetsi, u tun inzi padas handevish. Sorvetsur inzi kuganon neret. Ku hramanerut jampan inzi imatsush, yev ku skanchilik nerut vrayov bidi medadzem. Imantses dert mutene ge hali, astadezis ku hoskit hamemat. Sedutian jampan heratsur inzme, u ku orenket shonore inzi. Joshmardutian jampan andretsi, yev ku tadastaneret im archevestori. Ku vgayutyunerut havnesa, ovdesh zismi amchtsnesh, ku badvirangnerut jampun mech bidi vazem, vasenzitun im sirdes bidi laintsnes, ovdesh sorvitsur inzi ku ganonerut jampan, u minchev verch bidi bahem zaniga, imastun rezis, vorbesi ku orenket bahem. Ou polor serdov zaniga kozatrem. Arachnorte inzi ku badvirank nerut shavirin mech, basanzi anor havneza. Im sirdes ku vgayutunerut hojaretsush, ou vochte akautian. Yet tartsush imachkeres, volbesi sonodi pan chedesnen, yevzis ku jamput mech gentanatsush. Hastade ku hosket, Kezme vartsor zaraitvra, yet tartsush, inzme im nahadinkes vormego vachnam, vasanzi kutadastaneret parien. Aha, tsangatsi ku hramanerut, ku artarutianut mech gentanatsurzis. Psaume 119, à partir du verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi. Et que j'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble.
Եկ նա որ հայր սրդանց քեզի պարկուդանք, որ գրգին մեզ հավակեցիր, որպեսի քեզ բաշտենք, որպեսի քեզ լսենք։ Քեզի պարկուդանք քու բոլոր օրհնություններուդ համար, պարկուդանք այս օրվան համար, և գխնդրենք ով դեր, որ դու օրհնես մեզ, ինչպես նաև օրհնես բոլոր եկեղեցիները, օրհնես ով դեր քու բոլոր ժողովուրդդ, հիշեմ մանավանդ մեր բացականները, հիշե մեր հիվանդները, մեր դարեցները, հիշե ով դեր այս ամբողջ աշխարը, հիշե նաև մեր ժողովուրդը, ով դեր օգնական եղիր մեզի, կխնդրենք ով դեր, որ քու ողորմությունովդ մեզ այցելես և մեզ հաստատ պահես մեր հավատքին մեջ, նորոգե ով դեր մեր հավատքը այսօր, և բաց մեր սրդերը, որպեսի գարինանք քեզ լսել, գարինանք քեզ վայելել, գարինանք ով դեր նորոգվիլ, զորանալ մեր հավատքին մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions de tout notre cœur pour ce temps que tu nous accordes. Merci de nous avoir rassemblés une fois encore afin de te rendre un culte. Seigneur, nous te prions de bénir ce temps, de bénir chacun d'entre nous, de bénir aussi toutes les familles que nous représentons. Nous te prions tout particulièrement aussi d'être avec ceux qui sont absents, ceux qui n'ont pu se joindre à nous, ceux qui nous suivent sur Internet. Nous te prions aussi pour nos malades, pour nos personnes âgées, pour ce monde aussi qui a tant besoin de toi. Nous te prions, Seigneur, pour chacun. Veuille étendre ta grâce, veuille étendre ton amour sur notre monde. Nous te prions également, Seigneur, de nous aider à ouvrir nos cœurs ce matin à ta présence, à ta parole, que par cette parole et par ta présence, tu puisses venir nous rejoindre chacun là où nous en sommes. Te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Agnestil. Nous allons continuer notre culte par des chants de louanges. Bonjour à tous. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Psaume 5, verset 12. Avec la pandémie du Covid-19, le sujet des vaccins est plus que jamais à l'ordre du jour. Le rôle d'un vaccin est de nous protéger en stimulant nos anticorps pour nous rendre plus résistants aux maladies. Or, la protection n'est pas automatique. Certaines règles doivent être observées, comme la fréquence des rappels et le dosage du vaccin. Si nous devons nous déplacer dans certains pays étrangers ou des zones à risque, davantage de vaccinations sont nécessaires. Comme nous vivons sur une terre corrompue par le péché, rien n'est parfait ou garanti à 100%. En est-il de même en ce qui concerne la protection divine? Pour en bénéficier, il est indispensable de respecter quelques règles de base. Nous devons rester attachés au Seigneur. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Psaume 91, verset 14. Sa protection est conditionnelle à notre attachement. Nous devons également écouter le Seigneur. Celui qui m'écoute vivra en toute sécurité sans avoir à craindre du malheur. Au Proverbe 1, verset 33. Nous devons reconnaître son autorité sur notre vie. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre en toute sécurité, car il protège ses enfants. Au Proverbe 14, verset 26. Il faut faire preuve également de foi. Prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Dans Éphésiens 6, au verset 16. Sachez que si les vaccins humains ne sont pas parfaits, la protection divine, elle, n'est pas sujette aux faiblesses humaines. Les promesses de sa parole sont les meilleurs vaccins contre les virus du péché, des tentations, des souffrances physiques et morales de notre vie de tous les jours. Alors, vaccinons-nous chaque matin en nous plongeant dans sa parole. Thank you.
Viens, Jésus, règne en moi. Qu'on se lève pour ce chant.
Charunageng mer bashta munke astuzohosk gartalov. Nous allons continuer notre culte par la lecture de la parole de Dieu. Bidigartank nach ofsia markareutyun vetserortkelour à la Chine amaren. Nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Osée au chapitre 6, les versets 1 à 3 et ensuite le verset 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Et au verset 6, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et nous lirons également dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 33 à 48. Rogasu avedaran, kasano chorort kelur, yeresun yerort amaren, minchev karasun uterort amarnere. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Efforçons-nous de connaître le Seigneur, connaître Dieu. Mission impossible, mission à risque, ou bien découverte passionnante, source de paix et d'espérance. Il est vrai que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Il disait cela de certains chrétiens qui s'enorgueillissaient d'avoir une certaine connaissance par rapport à d'autres qui en avaient moins. Alors faut-il renoncer à connaître Dieu? Ce n'est pas ce que pensait un certain théologien évangélique
qui a écrit tout un ouvrage sur cette question-là, un livre que je vous recommande et qui existe encore aujourd'hui, qui s'intitule « Connaître Dieu ». C'est un livre de James Packer qui montre à quel point il est important pour nous en tant que chrétiens de bien connaître Dieu. Et combien cela pouvait nous apporter dans notre vie quotidienne. Et c'est ainsi que, à maintes reprises, la parole de Dieu nous encourage à connaître Dieu. Et ici, dans le texte que nous avons lu du prophète Osée, il nous a dit « Efforçons-nous de connaître Dieu ». Alors, ce que je vous invite à faire ce matin, de nous mettre à cette écoute et de voir comment finalement la connaissance de Dieu est importante pour la foi chrétienne et pour la vie chrétienne. On le voit dans le texte de l'évangile que nous avons lu. Alors, dit l'évangile de Luc, parlant de Jésus, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. L'évangile de Luc souligne par deux fois l'importance de la connaissance de Dieu à travers les Écritures. Les jours qui suivent la résurrection de Jésus, il est clair et il est à la fois paradoxal de voir à quel point les disciples ont eu du mal à comprendre et à croire que Jésus était ressuscité des morts, et non seulement à le croire, mais à comprendre le sens aussi de son sacrifice à la croix. Il semble qu'ils ne savent plus trop quoi penser, ils sont complètement perdus, comme parfois nous pouvons être nous aussi perdus complètement. Ils se demandent certainement quel est le sens de leur engagement auprès de Jésus, le sens des événements qu'ils ont vécus. De plus, on le voit, et dans tous les textes, on le lit, Jésus a beau se montrer à eux, ils ont beau même le toucher, ils ont beau même le voir manger, et pourtant, cela ne change rien dans leur vie. Ils ont du mal à croire et à comprendre ce qui s'est passé. Comme quoi, voir Jésus ressuscité, comme quoi, voir un miracle aussi, ne suffit pas pour affermir la foi, pour affermir notre compréhension de Dieu. Ces textes-là nous montrent que la foi ne peut faire l'économie d'une compréhension intelligente de la parole de Dieu afin de pouvoir connaître et de pouvoir comprendre. Il est vrai que de nos jours, bien souvent et trop souvent, la compréhension, l'intelligence, l'intellect est devenu pour beaucoup de chrétiens quelque chose de suspect. On privilégie aujourd'hui tout ce qui est du domaine de l'émotion. Et on pense que l'émotion, c'est la vérité. Et bien souvent, on se trompe parce que l'émotion est trompeuse. L'émotion peut venir pour des tas de choses. L'émotion n'est pas un critère de vérité. Ce qui est critère de vérité, c'est la parole de Dieu et c'est ce que Jésus nous montre ici, ce matin, dans ce texte que nous avons lu de l'évangile de Luc. Et il le fait par deux fois. Tout d'abord sur le chemin d'Emmaüs, avec ses deux disciples qui s'éloignaient de Jérusalem. Ces deux disciples qui sont complètement perdus, découragés, parce qu'ils n'ont rien compris. Et même si on leur a dit que Jésus est vivant, ils ne savent pas très bien ce que cela veut dire. Jésus va venir les rejoindre et il est dit qu'à ce moment-là, il va leur expliquer les Écritures en commençant par Moïse, par les prophètes, par les psaumes, jusqu'à ce qu'ils comprennent. De même ici, le même jour, Jésus vient aussi vers les 11 et pareil, à quel moment est-ce que les 11 ont commencé à comprendre et à croire ? Ce n'est pas quand ils ont vu Jésus, ce n'est pas quand ils ont vu manger Jésus, ce n'est pas quand ils ont touché Jésus ressuscité. C'est quand il a commencé à leur expliquer les Écritures, en commençant par Moïse, par les prophètes, par les psaumes. On le voit,
Ces textes sont là pour nous rappeler, pour nous faire comprendre que la foi a besoin de s'appuyer sur l'intelligence que Dieu nous a donnée, l'intelligence de sa parole. La foi a besoin de connaître et de voir une cohérence dans le plan de salut que Dieu a mis en place depuis les origines. Les Écritures sont importantes et c'est par les Écritures que nous pouvons connaître la vérité, que nous pouvons comprendre le sens du sacrifice de Jésus. Sinon, ça nous est incompréhensible. Pourquoi est-ce que Jésus a donné sa vie ? Si ce n'est pas par les Écritures que nous pouvons comprendre la nécessité que Jésus devait mourir pour nos péchés. C'est par les Écritures et non pas par une simple vision que nous pouvons comprendre cela. C'est cette connaissance des Écritures que nous sommes invités à sans cesse renouveler en chacun de nous. L'apôtre Paul l'a écrit aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne faisons pas l'économie d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. Ne nous contentons pas de sentiments, d'émotions, mais creusons afin que notre foi soit solide, afin qu'elle puisse tenir dans les moments difficiles. Venez, retournons vers le Seigneur, dit le prophète Osée. Il viendra vers nous. Comment est-ce que Dieu se présente à nous? Quelle est la nature de ce Dieu? On le voit dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui sans cesse vient vers nous. C'est dans sa nature de venir sans cesse nous chercher, là où nous sommes. Et ce, il l'a fait dès les origines, en allant chercher Adam qui se cachait. Où es-tu, Adam? Adam, qu'est-ce que tu as fait? Dieu est ce Dieu qui vient sans cesse vers nous. Ce Dieu de toute éternité qui s'est révélé de façon extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, qui s'est révélé parfois à travers le feu, parfois à travers le tremblement de terre, à travers le tonnerre, qui s'est révélé parfois avec Élie à travers un murmure doux, léger, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Continue ton chemin. Dieu est un Dieu qui s'est révélé aussi d'une façon tellement effrayante qu'à un moment, le peuple ne pouvait même pas supporter sa présence. Et c'est ce même Dieu qui vient et qui est venu vers nous en Jésus. Et c'est ce même Dieu aussi qui vient sans cesse vers nous. Depuis qu'il est ressuscité, Jésus vient aussi sans cesse vers nous, comme il est venu auprès de ses disciples. Il vient toujours nous apporter ce dont nous avons besoin. Il vient apporter la paix à ceux qui sont troublés, comme il l'a fait à ses disciples à maintes reprises. La paix soit avec vous. Il vient aussi peut-être nous questionner sans cesse. Demander où es-tu? Où en es-tu dans ta vie spirituelle? Il vient aussi nous questionner comme il a questionné les disciples. Quel est ce trouble? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez des objections dans vos cœurs? Regardez, c'est bien moi, et puis comprenez. Le Seigneur veut aussi ouvrir notre intelligence à nous, afin que nous puissions comprendre, afin que notre intelligence puisse être renouvelée. Il vient sans cesse nous rappeler qu'il est vivant. Il est notre avocat, notre intercesseur. Il est
celui qui nous accompagne. Et il vient, comme le dit le texte du prophète Osée, il vient toujours comme la pluie pour arroser, pour apporter de la fraîcheur, pour renouveler. Il vient sans cesse vers nous, mais c'est à nous aussi aller vers lui. Venez, retournons vers le Seigneur, n'hésitons jamais à nous approcher de lui et laissons-le aussi venir à nous. Vous êtes témoins de ces choses, dit Jésus à ses disciples pour terminer. Être témoin de ce que nous connaissons. Ce texte nous rappelle que toute la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, toute la connaissance que Dieu peut nous donner de lui-même, parce que c'est lui qui se révèle à nous, toute cette connaissance, elle n'est pas seulement pour nous. Nous sommes invités à en être les témoins. Sans oublier qu'être témoin, c'est d'abord vivre, c'est d'abord croire, c'est d'abord s'approprier ces choses-là. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne vit pas, au risque d'être un faux témoin. Ce qui veut dire qu'être témoin nous oblige aussi à veiller sur la qualité et sur l'authenticité de notre foi, à être des instruments entre les mains de Dieu. Alors que notre témoignage de toute la connaissance que nous avons de Dieu, que notre témoignage soit authentique, que notre témoignage aussi soit sans cesse motivé par l'amour. C'est ce que disait l'apôtre Paul aux chrétiens, l'amour de Christ nous presse. Et dans le prophète Osée, Dieu dira, c'est l'amour qui me plaît et pas le sacrifice. Et c'est la connaissance de Dieu, c'est connaître Dieu que je préfère plutôt que tous les holocaustes que vous pouvez me faire. Amour et connaissance de Dieu. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, que Dieu ouvre notre intelligence à nous aussi, afin que nous connaissions toujours mieux ce Dieu merveilleux, afin que nous connaissions toujours mieux ce plan de général de salut que Dieu a mis en œuvre, que Dieu a mis en place dès les origines, afin que nous puissions comprendre aussi les événements que nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons les comprendre dans la parole de Dieu. Venez, retournons vers le Seigneur. Approchons-nous de lui. Et ne nous privons pas de ce temps de communion qu'il veut sans cesse avoir avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons continuer par quelques mots en arménien. Nach gartatsink ofsia markareutyun arachin 6-rd gluch arachin 3-rd hamarnere. Yegek deroch tarnank kanzi aniga zargav ou aniga mez bidi pejushke, aniga viravorets ou aniga bidi gabe, yergu oren mez bidi gantanatsene, yerot or mez bidi gangnetsene, ou anor archev bidi abrink. Der bidi janchnank, ou zaniga janchnalu yedeve bidi allank, anor yelk archalu sibes Badrastvadze, ou aniga mezibidika ansevinbes, yergir vorokor verchin ansevibes. Ye vetseror tamare, kanzi yes vorormutyun guzem ye vochte zo, ou vorchagezneren aveli, astudo kidutyuna.
Eb gartan ke rugasu avedaran ke sanchorort kelur, yeresune yerort hamaren. Nun jamun Yerusalem tartsan, ou megder jorvats kedan dasne mege, ou annoncet yerornere voron geseinte iravsene, der harutun arav, ou simonin yerevtsav. Եվ իրենք բատմեցին, ինչ որ ճամպան բադահեցավ, և թե ինչպես ինգզինք իրենց ճանցուց հացը գդրածադենը։ Կանի որ այս բաները գոխոսեին, Իսուս ինք գայնեցավ անոնց մեջ տեղը, ու ասավ անոնց խաղաղություն ցեզի։ Բայց անոնք զարհուրելով գվախնային ու գգարձեին, թե ոգի մը գտեսնեն։ Եվ ասավ անոնց, ինչու խորոված եք, Եվ ինչու սրդետիտ մեջ խորուրդներ գելեն, դեսեք ծերքերս ու ոտքերս, որ ես ինքս եմ, շոշապեցեք զիս ու դեսեք, բաց ընձի ոգի մարմին ու ոսկոր չունեն աշ, մինչ տեր գտեսնեք թե ես ունիմ։ Այս ասելով ծերքերը ու ոտքերը ծուցուց անոնց, երբ տագավին իրենց ուրախութենեն չէին հավադար, Եվ զարմանքի մեջ էին նսավանոնց ու դիրիք մը ունիքոս, անոնքալ գդոր մը խորոված ծուկ ու մեր խորհիս դվին իրեն, առավ գրավ անոնց արջև, և սավանոնց ասոնք են այնս խոսքերը, որոնք ծեզի խոսեցա, երբ տեր ծեզի էդ էի, թե պետք է որ գադարվին այն ամենը, որոնք Մովսեսին օրենքին ու մարգարեներուն մեջ և Սամոսներուն մեջ ինձի համար գրված են։ Այնադեն անոնց միտքը բացավ, որպեսզի կրքերը հասկնան, և ասավ անոնց այսպես գրված էր, և այսպես պետք է Քրիստոս ճարչարվեր ու երրորդ օրը մերելներեն հարություն առներ, անոր անունովը աբաշխարություն ու մեղքերու թողություն կարոզվեր բոլոր ասկերուն մեջ Երուսաղեմենը սկսած, ու թուք եք այս բաներուն վգաները։ Դեռ պիտի ճանչնանք, ու զանիգա ճանչնալու երևե պիտի ըլլանք։ Արդյոք կարելի է զսպված ճանչնալ, ինչպես կարելի է ուրգե, ինչ օգուտ մեզի։ Բողոսարակյալ դեմ գկրե գիտությունը գհբարդացնե, բայց սերը շինություն գնե։ Արդյոք ինչ կնշանակե ասի, արդյոք կնշանակե թե պետք չէ որ մենք փորձենք զսպված ճանչնալ, արդյոք սխալ է պապակիլ զսպված ճանչնալ, ոչ անշուշտ։ Որովհետև գտեսնենք, թե Հիսուսի հարության հետո, որչապ Հիսուս շեշտը տրավ այս Աստուծո գիտության վրա, Աստուծո խոսքին վրա, շատ զարմանալի է այն դեպքերը, որոնք գգարտանք ավետարաններուն մեջ։ Գտեսնենք, թե ինչպես աշակերտները առաջին օրերուն մեջ, որչապ դժվարություն ունեցած են, հավատալու և հասկանալու Հիսուսի հարությունը և նաև Հիսուսի խաչերությունը։ Ասոնք, թեպետ Հիսուսը դեսան, թեպետ նաև շոշապեցին իրեն, թեպետ դեսան Հիսուսը ուդել, սակայն չէին ասկանար։ Եվ երբ որ սկսան ասկանալ, Եվ որ Հիսուս իրենց բացատրեց կրքերը, մարգարեությունները։ Գտեսնենք Եմաուսի ճամփուն մեջ երկու աշակերտներն ալ Հիսուսը գտեսնեն, բայց չեն ավադար։ Եվ Հիսուսը ստիպված է իրենց բացատրել կրքերը, Մովսեսեն սկսյալ, մարգարեներեն, Սամոսներեն, մինչև որ ասկնան։ Եվ ոսալ գտեսնենք, թե
աշակերտներ հավաքված են եւ Հիսուս իրենց մեջ գներգայանա եւ չեն ավադար չեն ասկնար Հիսուսը ստիպված է բացադրել իրենց ոս կտեսնենք թե հավատքը միայն դեսաներու պաներով չէ չի պավեր դեսնել չի պավեր հրաշք մնալ դեսնել հավատալու համար զասված ճանչնալու համար անպայման հավատքը պետք ունի հասկանալ Աստուծո խոսքը Բողոսարակյալ գրեց թե հավատքը լսել են գուկա եւ լսել Աստուծո խոսքեն գուկա Այսինքն գիտենք որ չափ կարևոր է որ մենք ալ հասկանանք սերդենք Աստուծո խոսքը որովհետեւ մեր հավատքը միայն ասենք սկացումներով հավատք մտցրլա հաբա խորունգ հավատք մտցրլա որովհետեւ սկացումները երբեմն ունինք երբեմն չունինք սակայն գիտությունը Աստուծո գիտությունը դարբեր է Աստուծո գիտությունը հիմնված է Աստուծո խոսքին վրա գրքերուն վրա եւ ասիգա անփոփոխ է եւ ինչ որ ալելան բարականեր եթե այս գիտություն ունենանք այն ադեն մեր հավատքը գայուն գմնա դերդա որ մենք հասկանանք այս կարեւորությունը ինչպես Հիսուս ծուցուց իր աշակերտներուն եւ մեզի այս խոսքերով այսօր եւ վերջացնելով չմոռնանք որ Հիսուսը սա իր աշակերտներուն դուք եք այս բաներուն վկաները այսինքն մեր բարդականությունն է երբ որ մենք այս գիտությունը ունեցած ենք այս գիտությունը միայն մեզի համար չէ այս գիտությունը Աստված գուդա մեզի որպեսի վկաներ ըլանք այս գիտության դեր դա որ մենք ըլանք այս վկաները այսօր դեսնելով մեր աշխարը որ դարաբի դեսնելով մարդիկ որ բոլորովին շվարած են դեր դա որ մենք այս շվարած աշխարի մեջ այս վկաները ըլանք Հիսուս Քրիստոսի պարքին համար դեր օրդնի իր խոսքը ամեն Վարգան մոլորության մեջ մնանք հիմա եւ աղոթքի մեջ դիրոջ բարձրացնենք մեր աղոթքները Je vous invite à rester dans un temps de recueillement de prière un temps où nous pouvons faire monter vers Dieu toutes nos prières récompense car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire même dans l'épreuve mon âme chante oui pour toujours il m'a sauvé Salut Et cet espoir est sans fin Le ciel est ma demeure Même dans l'orage Mon âme chante Jésus est là Adieu soit la gloire
dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix de Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole et nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée, pour l'Esprit Saint que tu nous as donné aussi afin de pouvoir la comprendre. Merci pour cette parole qui nous raconte qui tu es, qui nous permet de te connaître, de toujours mieux te connaître, de connaître aussi ce plan de salut que tu as mis en place dès les origines, afin de nous sauver pour l'éternité dans ton Fils Jésus. Accorde-nous, Seigneur, de le croire pleinement, profondément. Et nous te prions aussi afin que tu nous accordes la grâce d'en être les témoins. Te remercions de ce que tu es ce Dieu qui sans cesse aussi vient vers nous, sans cesse vient nous chercher là où nous sommes. Tu es ce Dieu qui ne se lasse pas de venir vers nous. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais. Aide-nous à réellement être au bénéfice de cette grâce. Aide-nous à ne pas nous en priver, mais que chaque jour nous puissions avoir ce rendez-vous avec toi, ce temps de communion avec toi. Que chaque jour nous cherchions à toujours mieux te connaître, que nous ayons ce désir profond en chacun de nous, de mieux te connaître pour mieux t'aimer, pour mieux te servir, pour être de meilleurs témoins auprès de ceux qui nous entourent.
Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Merci pour cette espérance que nous avons en toi. Jak na wolałkę ziparku dank ku chowski tamarz, jak ziparku dank ais chowski na marwór mez gnergia cyny ais pergutian zrakire wosz gadarecisz chacin wra. Sznuragaleń ku chowski tamar obder ais chowski na marwór wolunniczocow garelie mezi wosz avelike zdjąć nank. Je chonore vor mich dais papa ku nenank. Aveli kes jans na lu. Je gochen chen ku garoten ko de chvosh. Veganer lankais ki dutian. Ortne mer amen meges, ortne ku khos kut mer mech. Mer havat ko zoratsu chovdes. Vor bisi ke zi hedevink havat armutiamp. Je ke zi zarayen ku vegayenk ku parkitamash. Jésus Christ aussi à nous nov. Amen. Je vous invite à terminer notre culte par la prière de notre Père, nous dirons debout, en français, que nous chanterons en arménien. Hayr merov bili vechasenenk mej bashtamunk. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Hima merder Jesus Christos ish shnorke astudzo an hunsere yev surp hokvuin hagortutyuna mer amen megun hedella hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas.